Et salut à tous, bande de petites truffes miniatures. Aujourd'hui, je vais vous montrer un logiciel, un système de trucs qui est vraiment sympa. C'est en fait un blockbuster et aperture machin qui permet en fait de faire tout simplement ça. Des mises en scène qui sont assez sympas. Voilà. Et du coup, regardez ce qui va se passer tout simplement derrière moi. On a un chat qui parle, on a un chien qui vient, on a carrément un... Voilà quoi, c'est ouf. Hop, il y a les chats qui posent carrément un truc, le chien lui il est content, voilà, et il part dans l'autre sens et ils s'envolent tous les deux. Voilà, c'est stylé, c'est swag. Lui il part par là, il se casse, hop, voilà. Et lui, bah, il continue à me parler parce qu'il est, il m'engueule parce que soi-disant, voilà, j'ai endommagé l'enclume et lui il se casse. Dans l'autre sens, voilà, c'est une petite, une petite démonstration de ce que ça donne quand on remet normalement. Donc en théorie, si je dois faire cette mise en scène, je me mettrais comme ça à ce moment-là et je viendrai et je lancerai le truc quoi, tout simplement schlap et directement, hop, voilà. Je viendrai ici, je dirai coucou, voilà, je verrai le chat. Et là, vous avez le chien. Et voilà ce que ça donne. C'est sympa, hein? Donc ça, c'est pour... Et on peut annuler, bien sûr. Et quand on allume, ça fait ça. Chop, ça revient en arrière. Alors, comment on fait? Ben, c'est simple, hein? Vous faites, du coup, tout simplement ça. Donc, j'en ai déjà ici trois, comme vous voyez. C'est des personnages de scène. Donc, il suffit de faire juste un nouveau, un nouvel ajout. Et en faisant l'ajout, vous mettez 0,4 par exemple, peu importe, on s'en fout, hein. J'ai même pas mis de nom. Moi je le mets invincible par sécurité parce que j'ai fait voler. Pic! Par contre, j'arrive toujours pas à mettre des skins autres. Ça, j'ai pas compris comment on fait. J'ai cherché, pas moyen d'y arriver, donc tant pis, hein. Pour l'instant, je sais pas comment on fait. Et du coup, je sais pas, moi, j'ai pas d'idée là vraiment de personnage que je pourrais mettre. Mettre par exemple je sais pas moi, allez soyons fous, un squelette qui se promène alors qu'on est en plein jour, il devrait brûler mais là il ne brûlera pas. Du coup voilà, le squelette est pris. Donc du coup il faut faire enregistrer. Il vous dit voilà, cliquez ici dès que vous êtes prêt. Non, pas en sautant, ça c'est parce que je ne suis pas. Donc par exemple je peux décider que le squelette il sort de je sais pas, de l'eau là par exemple, je sais pas moi. Donc hop, je lance là, hop, yop, ça me transforme en squelette. Et je fais fuir carrément autre part le squelette, genre il se casse quoi. Il prend feu, il meurt. Et on va le faire terminer ici. Bon, après, c'est pas important pour ça. Hein. Et pour terminer, vous appuyez là. Voilà. Voilà comment ça fonctionne. Et du coup, si je me mets là et que je lance le replay, vous avez le squelette qui est là-bas, qui arrive là, qui prend feu parce qu'apparemment il est invulnérable donc il ne meurt pas. Voilà, vous avez tout le lion, le chat qui peut être tout seul et tout ça. Et du coup moi je trouve que c'est sympa parce que ça permet de faire des mises en scène. Bon, moi je le fais vraiment simpliste mais voilà. Et du coup vous voyez bien que le squelette lui il se casse dans l'autre, il se casse bel et bien là où je vous ai dit de se casser, il va jusqu'au bout jusqu'à temps de retourner dans l'eau. Et voilà, ça termina. Et quand ils ont terminé, ils disparaissent. Voilà, la mise en scène est terminée, ils disparaissent et c'est terminé et tout redevient normal. Donc quand le chat va arriver, va disparaître jusqu'au bout, hop, ça c'est parce que je l'ai fait aller assez loin. Je peux vous montrer où il a été le chat, hein. Il n'y a pas de problème. Donc je vais vous montrer, voilà, le chat est là. On va le suivre, on va voir jusqu'où il va. Et comme ça, on va terminer sur ça. Donc voilà. Comme vous voyez, le problème c'est que ça ne s'ouvre pas. Ça c'est un petit bémol. Mais bon. Donc voilà, il parle du coup, voilà, il dit, il m'engueule, tout ça, tout ça. Pour telle ou telle raison, parce qu'il est fâché. Du coup, voilà,
Pas content parce qu'en fait, et du coup je peux le casser, hein. Il n'y a pas de problème, le truc je peux le casser, hein. il n'y a pas de souci. De toute façon de base, et voilà. Et du coup, il va, lui, du coup on peut le suivre, et je peux même le mettre sur son dos, regardez. Plus carrément sur son dos. Bon là il disparaît, mais voilà. Et du coup je peux aussi faire ça. Donc par exemple ici, comme vous avez vu, j'ai un personnage qui est tout simplement... Pour le moment ça n'apparaît pas parce que c'est pas la scène n'est pas terminée. Mais quand la scène sera terminée, ça va réapparaître. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc hop, voilà. Là au cas où si ça a bugué, voilà, on fait comme ça. Et du coup ce que je peux éventuellement faire aussi, c'est de faire en effet ça. Un ajout en plus. 0,5 pour terminer. Et faire ça en fait tout simplement. Les de ces Moslo. Voilà. Faire un enregistrement. Et du coup, ici, je peux mettre carrément celui-ci. Là. Bah, imaginons que je le mets ici pour l'histoire que le chat le fait reculer, pour le fait que le fake qui a fait là, soit intéressant à mettre en cause. Donc je vais du coup lancer l'enregistrement ici. Voilà, je suis transformé en chat. Je regarde le châssis qui est pas content. Et au moment quand il va venir vers moi, je vais reculer. Et du coup, il y a un peu plus de sens. Et du coup, moi, je peux m'envoler ailleurs, dans l'autre sens. Voilà. Voilà, voilà. Et en même temps, ça cherche un peu la map, mais c'est pas grave. Et arriver ici. Et c'est tout. Et du coup, au fur et à mesure, ça crée des scènes de plus en plus complexes et ensemble. Et du coup, ce que ça donne en résultat, c'est ça. Hop, voilà. Le chat est là. L'Oslo va lui dire de se pousser, donc il parle, il me parle, il pousse l'Oslo, hop, voilà, l'Oslo, lui, il va s'en aller, hein. Il regarde, il dit qu'est-ce qu'il veut, lui, et hop, lui, il va s'emballer, et lui, on peut carrément essayer d'aller, lui, bon, c'est trop tard, il est parti, mais on peut aller sur son dos, on va le refaire, hein, si vous voulez, on peut le refaire, hein. Ouh, pardon. On peut tenter d'aller sur son dos, donc ici, je peux aller sur son dos pendant qu'il est là, hein. Regardez, hop. Voilà, comme vous voyez, je suis sous ton dos, il n'y a pas de problème, je peux rester sur son dos, ça sert à rien, mais c'est rigolo. Et du coup, l'Oslo peut s'en aller, et hop, voilà, ça fait une sorte de cheval, et c'est ça qui est stylé avec ce genre de mode, c'est assez sympa. Bon, après, personnellement, pour les trucs de mise en scène, c'est pas encore ça pour moi, mais voilà, c'était pour vous montrer un peu ce que j'ai trouvé. Ah oui, c'est 1.12, il va disparaître, hop. C'est la 1.12.2, c'est la dernière version de mode disponible, et là, on ne peut pas trouver plus. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer ça. Je peux éventuellement quitter et vous montrer à quoi ressemblent les modes, voilà. Le nombre, que c'est, voilà tout ce qu'il y a, hein. Il n'y a pas grand-chose, mais vous voyez les versions en fait. Voilà, 1.12.2, vous voyez, par exemple, 2.0, aperture, il faut prendre ces versions-là pour que ça soit compatible, c'est pour ça que je vous montre, hein, c'est très très important. Donc voilà, comme ça, vous savez ce qu'il faut prendre, et voilà, donc c'était une petite vidéo comme ça pour vous montrer, je vous dis à ta ciao, monde de tout truc, bye bye, portez-vous bien, bye bye, c'est ça, bye bye au Rome, bye bye au Rome.